J'ai avec moi le professeur Eustazède pour discuter d'un des problèmes majeurs que connaît actuellement notre société. La religion? Non. Le rap? Non. Le doublage en français des séries étrangères? Non, enfin... Pourtant, c'est dur. Hein. Je parle de la crise sanitaire. Ah, ça... Qui a aggravé une situation économique déjà assez mauvaise, avec plus de 3 millions de chômeurs dans notre pays. Alors, professeur, quels sont les moyens, à votre avis, de relancer la croissance? Il faut penser autrement. À long terme, la croissance n'est pas la solution. Comment ça? Notre monde n'est pas illimité. La croissance ne peut pas être infinie dans un monde fini. Alors quoi? Il faut quelque chose de plus radical qui nous libère de la surpopulation. Mais quoi? Une canicule? Un autre virus? Non. C'est pas mal, mais c'est trop aléatoire. À votre avis, qu'est-ce qui élimine des millions de personnes et laisse un pays à reconstruire entièrement? Oh, vous ne pensez quand même pas sérieusement à... Si, la guerre. Des villes en ruine à reconstruire de partout. Avec un peu de chance, autant de morts que de chômeurs. Le plein emploi. Mais enfin, c'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. Nos gouvernants n'ont aucun courage politique. Et puis, vous voulez faire la guerre à qui? Comme d'habitude, à l'ennemi.